Good morgen, allez, Iden et Susra aujourd'hui, Léloni Shmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Nazir, Perek He Mishnah Delet. Mishnah Dar Ben Nazir Vealach Leavi et Behemto Umtsa Ashenigneva. Im Adchelo Nigneva Behemto Nazar, Areize Nazir. Im Meshinigneva Behemto Nazar, Eno Nazir. Veso Taout Ta'an Achum Amadi. שאלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב אמר להם נחום עמדי אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב הייתם נוזרים אמרו לו לא והתירה נחום עמדי וכשבא דבר זה לחרמים אמרו לו כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש נזיר ומשחרב בית המקדש אינו נזיר. Traduit directement, on continue avec le principe général du Hekdesh Taout, mais avec cette fois-ci, on va plus se concentrer sur la route de Nazir. Hekdesh Taout, quand on sanctifie une chose en se trompant. Avec à présent un sujet qui va toucher au Petach des Nézirut. On avait déjà évoqué Petach Nedarim dans le Sechet Nedarim. Que vous savez bien que lorsque je prononce un vœu, je m'interdis une certaine chose, et qu'après, je commence à me conduire comme il faut, et je réalise après quelque temps que c'est trop grand, trop dur pour moi, je tiens pas le coup, parce qu'en fait j'avais mal évalué la situation. Alors je peux partir demander à au Chacham, qui me permette le Neder, le Chacham il va me faire un petit interrogatoire pour trouver un pétard au Neder, une ouverture au Neder pour me dire, pour avoir la preuve que, ah, dans cette circonstance, tu n'étais pas entier quand tu as fait le Neder, parce que si tu avais évalué ci, ou si tu avais évalué ça, tu n'aurais pas prononcé le vœu de Neder. D'accord? Ça c'est le principe général de l'atteinte de Nederim. Avec plus de précision maintenant, c'est que si une cause sine qua non, que la raison pour laquelle tu demandes l'ouverture du Neder, elle était présente au moment où tu as prononcé le vœu de Nézirut, et que ce n'était pas du Nolad, ce n'est pas quelque chose qui est venu ensuite. Par exemple, on avait évoqué dans Nedarim le cas où, par exemple, je vais m'interdire de profiter de cette maison. Je ne rentre plus dans cette maison. Après cette maison, elle devient une synagogue. Si c'est ça, c'est sûr que si j'avais pris en considération que ça allait devenir une Beth Knesset, je serais parti, j'aurais jamais prononcé le vœu de Nézirut. Mais le problème, c'est qu'au moment où tu as prononcé ton vœu de Nézirut, cette maison, c'était une maison, c'était pas une Beth Knesset. Dans ce cas-là, ce qu'elle est devenue une Beth Knesset ensuite s'appelle Nolad, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Ton vœu ne s'annule pas. D'accord? Principe très général. Maintenant, je vais vous dire tout de suite selon mon principe à l'oral, comme ça on traduira, ça va plus vite. Après, devenir nazir, bon, c'est contraignant, il faut se laisser pousser les cheveux, ne pas boire de vin, ne pas s'impurifier pour les morts, et après il faut apporter aussi des corbanotes. Je suis prêt à le faire, mais vous savez, ça coûte assez cher quand même, hein, 1500 shekels, 2000 shekels par animal, vous en avez 3 à porter, plus la tirée jusqu'à Yerushalayim, c'est un coup à laisser un petit billet de 7000, 8000, disons. Mais ce qui se passe, c'est que moi j'ai prononcé le vœu de Nézirut parce que je savais que j'avais des animaux chez moi. J'ai mis tout exactement ce qu'il fallait. Un bélier, un mouton, les trois qu'il faut, quoi. J'ai tout ce qu'il faut pour faire emporter un porte-mortel et qu'on les routes. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. C'est en ce moment une bonne période, je prends sur moi un vœu de Nézirut. Je viens Nazir. J'ai dit, allez, corbanote. Et puis, une fois que j'ai prononcé le vœu de Nézirut, j'ouvre ma grange et je remarque que les animaux ont été volés. Oi, oi, oi. Si j'avais su ça, jamais j'aurais pris le vœu de Nézirut. J'ai pas les moyens d'assumer 8000 shekels, moi. 2000 shekels pour le transport, je pouvais, mais les animaux, je pensais qu'ils les avaient déjà. Si maintenant je ne sais pas d'où je vais les pondre, comment je vais faire? Donc du coup, je vais voir le Chacham. Je vais lui dire, écoute, moi, si j'avais su que j'avais plus les animaux, jamais j'aurais prononcé le Neder. Le Chacham, il va me dire, attention, 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 il faut qu'on sache. Tu as prononcé quand ton vœu de Nézirut? Tu as prononcé le vœu lundi. Tu as découvert que les animaux, que tu as découvert mardi que les animaux ont été volés. Nachon, ouais. Nachon. Très bien, alors je te demande une chose, c'est que tu enquêtes pour savoir quand les voleurs sont-ils venus. Si les voleurs ils sont venus avant que tu aies prononcé ton vœu de Nézirut, dimanche, lundi, avant l'heure de la Nézirut, je suis d'accord avec toi, tu t'es trompé, tu croyais que tu avais des animaux, puis finalement, tu n'avais pas les animaux. Donc tu as un bon pétard pour ta Nézirut. Mais si toutefois les animaux ont été volés mardi, après que tu as prononcé le vœu de Nézirut, au moment où tu as prononcé le vœu de Nézirut, tu l'as prononcé à condition que tu as les animaux. Tu as les animaux. Après, il y a un problème, c'est que les animaux ont été volés. Et alors, c'est pas une bonne cause, ça s'appelle du nolade, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Tu peux plus annuler le vœu de Nézirut. Ok, vous avez compris le principe? On commence les premières lignes de la Mishnah. Mishnah d'Or Benazir, celui qui a prononcé un vœu de Nézirut, il est parti
Velach la vie et bemto. Il est parti pour apporter ses animaux. Umtsa shenigneva. Et il constate qu'elle a été volée. Imadjelo nigneva bemto nazar. Si avant qu'elle se fasse voler, il avait prononcé le vœu de Nézirut, c'est-à-dire qu'en fait, il a prononcé le vœu de Nézirut et seulement après elle s'est fait voler. Alors, arrêtez Nazir, rien à faire, tu es Nazir, c'est pas une bonne raison d'annuler ton vœu de Nézirut. T'avais pleine conscience de tout ce qui se passait, et réellement, toutes les données étaient justes. Tu ne peux pas demander un pétard comme on est d'ailleurs. Par contre, Veim Mishenig Neva Bemto Nazar. Par contre, si c'est depuis que l'animal était volé qu'il a prononcé le vœu de Nézirut, c'est-à-dire d'abord l'animal a été volé et après tu as prononcé ton vœu de Nézirut, ah, dans ce cas-là, Eino Nazir. Ce ne sera pas un Nazir. Il ne sera pas Nazir parce que, c'est-à-dire en fait en été, le Kham, il va annuler le Nazir. Tu as une bonne cause, une bonne circonstance pour annuler le vœu de Nézirut. Premièrement, d'accord, vous avez compris le principe? Selon ce même principe, maintenant, je vous raconte aussi la suite de ce qui va se passer. C'est qu'en fait, il y avait à l'époque du Khurban Beth Amikdash, où le Beth Amikdash était détruit, il y avait un Chacham qui s'appelait Nahum Hamadi. Tous ceux qui lisent Bamé Madlikin le vendredi soir, ils connaissent Nahum Hamadi Omer, Madlikin Mechel Evemushal. D'accord, ça c'est Nahum Hamadi. Eh bien, figurez-vous que ils étaient les Chachamim à Yerushalayim, une fois que le Beth Amikdash a été détruit. Et d'un coup, il y a un groupe de nazirs qui vient de Chutz Laaretz. Ils débarquent de Syrie, là-bas, une dizaine de nazirim. Ils arrivent et veulent apporter les korbanot de Nézirut. Ils viennent à Yerushalayim et ils cherchent le Beth Amikdash. Ils voient Tzion, Sadeh, Techarej, Rachman al-Islam, Hashem Irachem. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Il a été labouré comme un champ. Ils cherchent, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont, dans ce cas-là, ils cherchent où sont les Chachamim. Ils trouvent là-bas une petite bicoque. Où il y avait là-bas, en guise de Beth Amidrash, de ce qui leur restait. Ils rentrent là-bas au Beth Amidrash, ils voient là-bas Nachum Mishgamzou. Et ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas lu les nouvelles? Titus Aracha, il a rasé le Beth Amidrash. Il n'y a plus de Beth Amidrash. Et à part ça, maintenant, bon, bien sûr, ils pleurent, ils déchirent leurs habits, ce que vous voulez. Et puis d'un coup, ils disent, bon, mais à part ça, on était nazir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, Nachum, il leur dit, ben, c'est très simple. Vous étiez au courant que le Beth Amikdash avait été détruit? Ils disent non, on n'était pas. Eh bien, je vous annule le Néder. Ils leur annulent le Néder. Et après, ils sont passés à un autre Beth Amidrash. Ils ont rencontré là-bas beaucoup plus de Khamim. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire? On ne peut pas annuler le Néder. Au moment où vous avez prononcé le vœu de Nézirut, le Beth Amikdash, il n'était pas encore détruit. Donc, vous avez prononcé le vœu de Nézirut avec intention d'apporter les korbanot au Beth Amikdash. En l'occurrence, après, il y a eu une circonstance qui a changé, il y a eu du nolade, ou malheureusement, quelque chose qui est la cause à la nolade, c'est le Beth Amikdash qui a été détruit, c'est quelque chose qui a été ensuite de quelque chose de nouveau qui s'est passé, c'est pas une bonne cause pour annuler le Beth Amikdash. Tous ceux qui ont prononcé un vœu de Nézirut. Alors maintenant, si ça fait maintenant 3 semaines que le Beth Amikdash a été détruit, et il y en a là parmi vous qui ont prononcé le vœu de Nézirut dans les 3 dernières semaines, on annulera. Parce que toi, tu as fait le vœu de Nézirut avec intention d'apporter le Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash, tu n'es pas nazir. Mais les autres qui ont prononcé le vœu de Nézirut depuis il y a 1 mois et demi et 2 mois, qui ne savaient pas que le Beth Amikdash a été détruit, pour le moment, le Beth Amikdash, il était sur pied, il n'avait pas encore été détruit. Dans ce cas-là, c'était un bon vœu de Nézirut. Et on ne peut pas annuler par le fait que, par la simple cause, que par la suite, il s'est avéré que le Beth Amikdash, il a été ensuite détruit. Nahum Hamadi, c'est plus expliqué dans le Bar Tanoura, que Nahum Hamadi pense que, malgré tout, étant donné qu'on savait que le Beth Amikdash il allait être détruit, c'est pas une circonstance qui a été mitradéchette, qui a été innovée ensuite, mais c'était déjà prévu, on savait déjà que ça pouvait se passer. Bon, c'est une discussion après, est-ce que ça devait se passer tout de suite, pas tout de suite. Et c'est, je traduis tout ça dans les mots parce qu'on n'a pas encore fait, « Vezo ta'out ta'a Nahum Hamadi ». Et c'est précisément cette erreur qui s'est trompée, Nahum Hamadi. « Chalou Nézirim Nagola », lorsque des Nézirim sont arrivés de l'Agola depuis l'exil, de Syrie, de Babel, ou Matsu Beth Amikdash Harev, et quand ils sont arrivés, ils ont vu que le Beth Amikdash avait été détruit. Amar Laem Nahum Hamadi, Nahum Hamadi leur a dit, il ou Aitem Yudim, chez Beth Amikdash Harev, Aitem Nozrim, si vous aviez su que le Beth Amikdash allait être détruit, auriez-vous prononcé un vœu de Nézirut, un gros lolo? Ils ont dit, non, pas du tout, on ne va pas rester Nézir, si on ne peut pas faire les combats, qu'est-ce qu'on va faire? Veitiran Nahum Hamadi, alors Nahum Hamadi a dit, c'est bon, c'est une bonne circonstance, j'annule le Neder. Pour Sheba, Davar et Salchamim, et lorsque la cause est arrivée, et que lorsque la situation elle était présentée devant les Chachamim, qui étaient aussi là-bas,
Amroulo, ils ont répondu à Nahum, j'imagine, ouais, ou à Nazir, je pense que plus à Nahum. Ils ont rétorqué, ils ont dit, mais non, Kol Shenazar Hachelo Harav Bet Amigdash Nazir. Tout celui qui a prononcé un vœu de Nazirut avant que le Bet Amigdash soit détruit, c'est un bon Nazir, parce qu'au moment où il a prononcé le vœu, le Bet Amigdash, il était normal, il était construit, et il n'y avait pas de raison que le fait qu'il a été détruit par la suite et que c'est une cause qui a été mitra déchette ensuite, qui s'est renouvelée ensuite, qui a été innovée ensuite, c'est pas une bonne cause pour annuler le Nazir. Par contre, ou Mishra Bet Amigdash, mais depuis que le Bet Amigdash a été détruit, les plus récents qui ont prononcé le vœu dans les dernières 3 semaines ou derniers mois, et que le Beth Amigdash n'était pas encore, il était déjà détruit, alors là, il y avait un élément concret qui leur manquait, qu'ils ont mal considéré. Dans ce cas-là, on pourra annuler le Néder de cela, et dans ce cas-là, cela spécifiquement, le Nazir ne sera pas Nazir, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, Kol Tov, Selah.